Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette première grande tribune de la semaine. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre chaîne de télévision Congo Buzz Télévision à travers le monde. Vous êtes des milliers à nous suivre, des millions même à travers le monde. Nous vous disons merci énormément et nous ne cesserons jamais de vous faire plaisir. Deux sujets aujourd'hui vont faire l'objet de l'émission. Premièrement, affaire Kabound, la Cour de cassation s'est-elle trompée? Ça, c'est le premier sujet que les co-débatteurs vont devoir donc commenter. Le deuxième sujet, on va revenir sur cette affaire au Rwanda. Anthony Blinken montre-t-il la vraie face des États-Unis et d'Amérique? J'ai trois invités sur ce plateau. Des juristes, des avocats pour certains, avec qui nous allons donc essayer de débattre de la première thématique déjà qui est essentiellement juridique, mais aussi pour certains politique. Alors, le premier invité, Maître Eddy Katabilenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Eddy, bonjour et bon début de semaine à vous. Merci et bonjour Dan. Bonjour Maître. Maître Richard Pinda, qui est cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour, bonjour aux co-débatteurs. Je commençais à me poser la question de savoir, quand vous dites, par exemple, pour certains avocats, je commençais à me poser la question de savoir si on voulait m'imputer ma qualité d'avocat pour ne me laisser que la qualité de... En fait, nous sommes tous avocats et nous pensons que ce débat aura la hauteur attendue. Merci voilà. Beaucoup, Maître Champina. Il faut que je dise aussi que vous êtes politique. Vous êtes je suis de politique et avocat. Exactement. Et donc, votre appartenance politique peut influer aussi. C'est possible. Mais en fait, nous avons l'avantage, les estimés confrères le savent, que nous avons l'avantage de faire le distinguo. Nous le disons même en droit qu'il y a une fiction. Lorsque je dois intervenir en tant que tel, je le ferai. Lorsqu'il s'agirait d'intervenir en tant que politique, je le ferai aussi parce que nous avons appris et que nous sommes censés faire cette démarcation-là. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda, Maître Edmond Bokolo, chercheur et avocat au barreau de l'Équateur. Bien habillé, Maître. Bonjour et bien habillé surtout. Merci. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également à... mes estimés et distingués confrères, les co-débatteurs. Maître Edmond Bokolo, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Bon, je pense que pour le moment, les sujets d'actualité, c'est les sujets liés à la thématique que nous allons aborder hein, sur la mise en résidence surveillée de M. Kabound. Je pense que c'est le sujet à aborder. Donc, merci. Maître, Maître Eddy, vous aussi, vous avez un sujet à commenter? Bon, ce que je puis dire, c'est interpeller notre société à emboîter les pas au chef de l'État qui veut que nous soyons dans un État démocratique, mais qui doit être considéré comme un État dans lequel règne la discipline. Les politiciens d'aujourd'hui et surtout ceux de l'opposition versent ou baignent dans l'indiscipline totale. Ça, il faut le dire et je condamne. Les politiciens et aussi certains journalistes pensent que leur liberté prime sur la loi. Non, ça, il faut condamner. Nous devons rentrer dans les fondamentaux pour l'état des droits. Merci beaucoup, Maître Eddy Katabilenga, Maître Richard Pinda. Un sujet d'actualité à commenter? Pas du tout. Pas du donc, tout. Je me contenterai de ce qui a été présenté comme thématique. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc lire la note informative de la rédaction avant de donner la parole à mes invités. L'on le dira plus assez, car tous les actes posés par pouvoir judiciaire font l'objet des critiques diversifiées. Assigné en résidence surveillée par la Cour de cassation, Jean-Marc Kabound continue à rester en prison de Makala, pourtant une exigence légale et non une faveur, cela contrairement à ce qui se lit dans la rue. L'article 76 de la loi de 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation est clair là-dessus. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Toutefois, la Cour de cassation est la seule compétente pour autoriser la mise en détention dont elle détermine les modalités
à chaque cas. Et donc, la détention préventive est remplacée par l'assignation en résidence surveillée. Maître Richard Pinda, je commence avec vous. La question qui nous est posée ce matin, c'est d'ailleurs notre thématique. Affaire Kabound, la Cour de cassation s'est-elle trompée? Je ne pense pas que la Cour de cassation se soit trompée. C'est réellement qu'il y a eu des irrégularités. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que les avocats de Jean-Marc Kabound ont soulevé certaines irrégularités. Entre autres, ils ont prétendu que leur client devait en principe être placé directement en résidence surveillée au lieu d'être placé, à la maison en détention au niveau de la maison d'arrêt. Donc ici, il faut d'abord comprendre la procédure préjuridictionnelle pour éventuellement arriver à cerner ce qui a été dégagé dans cette affaire ici. Alors, lorsque vous êtes au parquet, nous sommes dans une procédure préjuridictionnelle, ce qui sous-entend que le ministère public a la latitude d'apprécier s'il faille vous placer en détention préventive. Et lorsque vous êtes en détention préventive, vous êtes ce qu'on appelle un détenu. Vous voyez? Alors, le statut ne change pas non plus lorsque vous êtes placé, ou que vous êtes toujours dans la phase préjuridictionnelle et que vous êtes placé, en résidence surveillée, vous jouissez toujours de ce même statut-là, mais plutôt ici, la forme change. Pourquoi la forme change-t-elle? Tout simplement parce que, vous savez, lorsqu'on vous accorde des privilèges de juridiction, les privilèges de juridiction s'en suivent aussi avec une certaine particularité. Lorsque vous lisez les lois de la République, vous allez vous rendre compte que toute personne qui était revêtue d'une certaine autorité ne peut pas, entre autres, on cite les députés, on cite les ministres, on cite les présidents de la République, ainsi de suite, tout ça, ils ne peuvent pas directement être déférés à la maison d'arrêt. Puisque nous ne sommes sans ignorer que nous l'avons tout à l'heure ici évoqué la question de la fiction du droit, qui voudrait que lorsque vous êtes vous êtes au CPRK, que l'on distingue la maison d'arrêt et la prison. Pourquoi on parle de la maison d'arrêt lorsque nous sommes dans la phase préjuridictionnelle et que l'on doit vous garder quelque part? Mais ici, ce qui est plus important, c'est, je le dis, c'est-à-dire que la loi a été violée. C'est-à-dire qu'on ne devait pas le placer par le procureur, qu'on se le dise. Okay, les procureurs après la Cour des cassations. L'article 70, comme l'a dit... Tel qui a été évoqué. Tel qui a été évoqué. Okay? Mais la chose la plus importante ici, c'est que dans un état de droit, on ne dit pas que tout est parfait. On dit que dans un état de droit, il y a aussi des faiblesses. D'ailleurs, les confrères ne me contrediront pas parce qu'il est dit chez nous que la règle de droit est faite pour être violée. On ne dit pas qu'il faut motiver les gens à les violer, mais elle est violée. Mais la chose la plus importante, c'est la sanction ou la réparation lorsque cette loi est violée. C'est ainsi que le procureur, lorsqu'il présente Jean-Marc Kabound devant son juge, Jean-Marc Kabound cesse d'être détenu. Il change de statut, il devient prévenu. Étant devenu prévenu, cette question est réglée à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'on le présente en tant que prévenu. Vous allez vous rendre compte que les différents actes qui font qu'on l'amène tel quel, lorsque vous lisez par exemple, on vous dit par exemple, on parle de la citation à prévenu, c'est-à-dire que le statut a changé, il y a eu chevauchement, c'est-à-dire qu'on devrait le présenter sous un autre statut, c'est-à-dire celui des prévenus. À ces moments-là, la première des choses, c'est ce que ces avocats ont fait, c'est-à-dire relever cette irrégularité. J'insiste, je ne l'avais pas encore dit, mais je l'ai dit. La chose la plus importante, c'est de réparer l'irrégularité. C'est ainsi que la Cour a rattrapé cette irrégularité-là et éventuellement, il a permis à ce que Jean-Marc Kabound soit placé en résidence surveillée. Dans l'ordonnance de la Cour, telle que motivée, les avocats de Jean-Marc Kabound disent que le ministère public a violé les articles 76 alinéa 2 et 77 alinéa 2. Mais là, vous nous parlez, vous nous dites que c'est plutôt la cour qui s'est... Le parquet plutôt, j'allais dire. Le parquet. C'est le parquet. Je voudrais dire quoi ici? Nous avons encore un autre problème avec toujours la mise... Le principe, en fait, en principe, c'est le principe qui est mis, qui a été relevé. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque le principe de placer en détention préventive, c'est un acquis. Mais à côté de ces principes-là, il faille à ce que l'on détermine les conditions dans lesquelles on doit placer en détention. Cela n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'on peut encore accorder au procureur que l'on estime ici avait violé la loi, on peut encore lui accorder le bénéfice du doute. Parce que lorsqu'on dit placer en résidence surveillée, ça ne veut pas dire que vous soyez placé chez vous dans votre maison. On peut, on l'a vu dans le cas
de l'honorable Mukonkole, qui a été placé en résidence surveillée à l'hôtel Invest, par exemple. Vous voyez ça? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il soit nécessairement obligatoirement. Au-delà de ça, le parquet doit obligatoirement apprécier, voir pourquoi pas le placer chez lui, et si on le plaçait chez lui, pourquoi ne pas se suicider. C'est-à-dire qu'il doit réunir tous les éléments qui peuvent éventuellement évoquer, en fait, vous mettre dans des conditions sécuritaires pour que vous ne puissiez pas non plus, puisque le parquet est aussi censé éventuellement vous protéger. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Maître Edmond Bokolo, la même question. Est-ce que la Cour de cassation s'est-elle trompée? Merci. Je pense que je ne partage pas la même position juridique avec le confrère Richard, c'est le confrère Richard Pinda, voilà. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Bon, moi je pense ici que la Cour n'a pas violé la loi. La loi a été scrupuleusement observée. C'est-à-dire qu'ici, nous devons savoir que dans la phase préjuridictionnelle du procès, notamment au niveau de l'instruction préparatoire au parquet, le parquet a certains pouvoirs que la loi lui accorde. Et ces pouvoirs sont limités aussi parce que vous allez voir que la loi exige que lorsque le ministère public constate qu'il y a des indices d'irrécupabilité, je pense que si on prend le code de procédure pénale vers l'article 28, 29 jusqu'à 32, vous allez voir que la loi accorde au ministère public le pouvoir de mettre un inculpé, c'est-à-dire qu'un accusé, sous mandat d'arrêt provisoire. Et dans ces conditions, la loi reconnaît au ministère public le pouvoir de garder, de détenir cet inculpé pendant 5 jours. Sous quelles conditions déjà? C'est-à-dire que s'il y a des indices, c'est serré de culpabilité. C'est ce que prévoit le code. Parce que vous allez voir que si vous prenez l'article 76 de la loi de 2013, la procédure devant la Cour de cassation, il est bien dit que les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Les règles ordinaires sont prévues par le code de procédure pénale. Et que prévoit le code? Le code prévoit que lorsque l'inculpé se présente devant le magistrat instructeur et que le magistrat constate que l'infraction est punissable de plus de 6 mois ou qu'il y a des indices serrés de culpabilité ou que la fuite est à crainte ou que la personne de l'inculpé peut constituer un danger public, le magistrat le met sous mandat d'arrêt provisoire. C'est ce qu'on appelle on l'arrête. C'est-à-dire que c'est ça l'arrestation. On l'arrête et on les met où? C'est la question qu'on se pose. Lorsqu'on arrête un inculpé, en principe, on doit les mettre dans une maison d'arrêt. Que dit l'article 76, alinéa 2? Non, je vais revenir. Je reviens. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit d'abord le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Et pour une validité de 5 jours au maximum. Et la loi prévoit qu'après les 5 jours, lorsque les 5 jours, dans le règle ordinaire de la procédure, après les 5 jours, qu'est-ce que le magistrat doit faire? Le magistrat a la possibilité, soit il relaxe la personne qui est détenue. Si le magistrat constate c'est que l'instruction préparatoire, ou le magistrat constate qu'il n'est pas éclairé, et il doit encore détenir la personne, qu'est-ce que le magistrat doit faire? Le magistrat doit le présenter en chambre de conseil. Et devant, sauf pour les personnes qui bénéficient des immunités de poursuite, mais pour les personnes ordinaires, c'est devant les tripés. Et la loi dit que pour le député sénateur, c'est devant la Cour de cassation. Pourquoi la Cour de cassation? C'est justement pour que la Cour puisse régulariser la procédure, c'est-à-dire qu'autoriser au magistrat instructeur de pouvoir prolonger les temps de détention. Et dans le cas de l'article 76, alinéa 2, d'ailleurs, avant de pouvoir interpréter l'alinéa 2e, il faut d'abord lire l'article, l'alinéa 1er. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Et on dit qu'il faut arrêter. Et comment pouvez-vous accepter, comment pouvez-vous imaginer que le procureur arrête à 17h et à 17h, il doit acheminer l'inculpé devant le magistrat de la Cour de cassation en chambre de conseil? C'est impossible. C'est-à-dire qu'ici... Pardon? Comment expliquer que déjà... Comment alors expliquer cette ordonnance mettant en résidence surveillée Jean-Marc Kaboun pendant que la procédure a été respectée déjà? Non, c'est-à-dire que je vous dis comment ça se passe. Dans la phase préjuridictionnelle, il y a deux phases. S'il faut détenir une personne, le magistrat instructeur au niveau du parquet, la loi accorde ses pouvoirs au magistrat instructeur
de pouvoir détenir un inculpé durant 5 jours. Et après les 5 jours, si le médecin instructeur constate qu'il n'est pas éclairé et il faut poursuivre l'instruction et il faut détenir la personne dans la maison d'arrêt, la loi impose au médecin instructeur de pouvoir présenter cet inculpé devant le juge. Parce que seul le juge a ce pouvoir de pouvoir prolonger ou autoriser la détention préventive. Dans ce cas précis, la Cour a respecté la procédure. Oui, la Cour a respecté. D'ailleurs, vous allez voir l'article 76, alinéa 2e. Toutefois, la Cour de cassation est celle compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. D'accord. Et vous allez voir que ici, dans ces conditions ici, lorsque la Cour constate qu'il faut mettre l'inculpé qui bénéficie du privilège de juridiction devant la Cour de cassation en détention, et la Cour automatiquement l'assigne en détention. Et ici, il faut qu'on se le dise. L'assignation à rien sur ne veut pas dire qu'on a acquitté une personne. Et j'ai écouté Maître Richard dire que c'est un prévenu. Non, Kaboul n'est pas un prévenu. Même lorsqu'on le présente dans la chambre de conseil, il est inculpé. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai lu l'ordonnance de dépasse. L'ordonnance là, appelle Kaboul inculpé, même si on le présente. Donc, jusqu'aujourd'hui, donc la modalité de mettre un député en détention préventive, c'est la résidence surveillée. Donc, il est en détention préventive. Mais autrement, au lieu qu'il soit... La forme a changé. Au lieu qu'il soit dans une maison d'arrêt ou à la prison de Makala, au lieu de non, il doit être assigné dans une résidence. Merci beaucoup, Maître Edmond Bokolo. Maître Heidi Katabilenga, votre point de vue, est-ce que la Cour de cassation s'est-elle trompée? Merci pour la question, M. Dan. L'approche qu'a le confrère Richard est à prendre avec beaucoup de réserve. C'est pas possible. Avec beaucoup de réserve. Pourquoi? En matière pénale, nous ne sommes pas en droit brazzavillois, moins encore en droit comparé, en droit belge ou français, où il y a un juge d'instruction qui a le pouvoir d'arrêter. Chez nous, le pouvoir d'arrêter revient au seul ministère public. Dans le cas sous examen, le ministère public, après avoir entendu Kaboul dans sa déposition, a jugé important de l'arrêter. Quand le ministère public apprécie votre déclaration, il est seul devant sa conscience. Il apprécie de vous arrêter. Il vous place dans ce qu'on appelle l'état d'arrestation. L'acte qu'il pose, on appelle ça mandat d'arrêt provisoire. Le ministère public vous arrête. Pour le cas de Kaboul... N'oubliez pas que c'est un député national. Là. Oui, pour le cas de Kaboul. Après l'avoir entendu, et que Kaboul, étant couvert d'immunité, il a sollicité au bureau, parce qu'ils sont en vacances parlementaires, d'être autorisé à l'arrêter. Il a été autorisé par le bureau. Parce que Kaboul, comme vous le connaissez... Donc certains disent que l'arrestation n'est pas... il faut nécessairement lever les immunités pour arrêter un député national. Non, pas nécessairement. Non. Grâce à l'autorisation du bureau, un député peut être mis sous mandat d'arrêt provisoire. Écoutez, pour les infractions qui ne sont pas flagrantes, il y a une voie à suivre. La voie, c'est la procédure. Mais lorsqu'il y a infraction flagrante, on ne demande à personne. Le ministère public est libre, il vous arrête, il vous garde par devant lui. Même un OPG. Maintenant, ici, l'infraction pour le ministère public n'étant pas flagrante, il doit suivre la procédure. Il a demandé, il dit, j'ai mon dossier ici, dans mon registre, je l'ai entendu, ce monsieur est devant sa déclaration, est coupable. Je dois l'arrêter. Il demande... Donc cette arrestation démontre déjà que Jean-Marc Kaboul est coupable des faits... Pour le ministère public. Ah. Pour le ministère public. Celui qui
il est seul devant sa conscience. Il juge, il dit, bon, ce monsieur, ce qu'il me dit, il trompe, ce qu'il me dit, il fait des aveux, je dois l'arrêter. Seul, dans son bureau, il est seul. Donc, devant sa conscience, il est seul. Il dit, non, ce monsieur, si, ce qu'il me répond ici n'est pas convaincant, je dois l'arrêter. Parce que Kabound est un député national. Le ministère public a demandé l'autorisation qu'on lève les immunités et qu'il l'arrête. Il a été autorisé. La loi n'a pas été violée. Parce qu'il a demandé, il a obtenu d'arrêter Kabound. Mais que dit de l'article 76, oui, 77, mais, tel que dit par les avocats de Kabound, écoutez, qui aurait été violé par les ministères publics? Non, écoutez, l'avocat, quand il défend sa cause, le serment l'oblige à être aussi seul devant sa conscience pour défendre une cause juste qu'il croit en âme et conscience. La détention en droit congolais est une exception. La détention en droit congolais est une exception. Le principe, c'est la liberté. Rentrons dans le cas de Kabound. Avant d'aborder la question de ses avocats, d'ailleurs, qui sont avocats là-bas? Tous, nous les connaissons. Tous, nous les connaissons. Nous fréquentons les palais, nous connaissons qui sont avocats de Kabound. Nous les connaissons. Quel est le problème avec les avocats des Kabound? Non, mais leur point de vue, j'en viens. Lorsque le ministère public a arrêté Kabound, il pèse sur lui une obligation que si les délais expirent, il doit aller solliciter du juge qui est seul qualifié pour mettre Kabound en détention. Préventive. Le ministère public l'a arrêté. La nuance est des droits. L'article 76 vous dit seule la Cour de cassation est compétente pour autoriser la mise en détention. C'est une autre étape dans l'instruction du dossier. La Cour de cassation, non, le ministère public. Non, le ministère public, lui, la loi lui donne le pouvoir d'arrêter pour 5 jours. Mais la mise en détention, c'est une autre étape que la loi, l'article 76, dit. Seule la Cour de cassation peut mettre quelqu'un en détention. Seule la Cour de cassation, pour le cas de Kabound. Il faut qu'on fasse la nuance entre la mise en détention et l'arrestation. Et l'arrestation. Oui. Parce que même au niveau des concepts, quand on est suspect, quand on est inculpé et quand on est prévenu, ça correspond à des étapes de la procédure pénale. C'est des notions qu'il faut maîtriser au départ de débattre la question. Mais ici. Et donc le public qui vous suit a peut-être besoin aussi de savoir c'est quoi ces différences-là, parce que l'émission est aussi pédagogique, mais je pense qu'on en viendra pour une émission spécialisée pour l'expliquer en détail. Oui, mais ici, bon, peut-être à titre générique, un suspect, c'est quand l'OPJ vous reproche de quelque chose. On dit ça en droit, il est suspect. Il peut vous arrêter, il peut vous interpeller. Le parquet, lui, il n'a qu'à faire à l'inculpation. On dit, non, ce monsieur est inculpé par le parquet. Donc, le parquet vous reproche d'une infraction. Maintenant, ici, pour le cas de Kabound, traduit devant son juge naturel pour la détention. Traduit devant son juge naturel pour la détention. La loi dit, c'est la Cour de cassation pour un député. Ce qu'il faut aujourd'hui dire au public qui nous suit, okay, et surtout aux politiciens qui pensent que ils sont au-dessus de la loi. Ils se trompent. Merci beaucoup. J'ai conclu. La loi dit ce qui suit, l'article 76. La détention préventive, l'état dans lequel se trouve Kabound, peut être remplacé par une résidence surveillée. Donc, la Cour n'a pas violé la loi. La Cour a mis Kabound en détention préventive. Seulement, qu'il ne sera pas gardé où on met tout le monde, dans la maison d'arrêt, on doit lui trouver une résidence
dans laquelle il sera détenu par les parquets. D'accord. L'arrêt de la cour, en l'état, doit être exécuté par le ministère public. Arrêté vendredi. D'accord. Après, puisque, non, après l'arrestation et la mise en détention le vendredi, la cour là, tous, maître Richard, je ne peux pas me les contredire, samedi à la cour, on ne travaille pas. Samedi à la cour, on ne travaille pas. Il fallait rentrer au greffe, faire les formalités pour que le ministère public exécute la décision. Mais cela n'a pas été fait. C'est pourquoi Kabound est encore à Makala. Et quand on est en détention préventive à Makala, pour y sortir, il y a une procédure à faire. Qui peut prendre combien de temps? Ça dépend de la diligence des avocats. Oui. Mais ils sont défaillants. Ils parlent plus. Mais ils sont défaillants. C'est leur faute. Ici, je comprends la compassion qu'a Maître Richard pour ces avocats-là défaillants. Non. C'est pas défaillant. Ne m'impitez pas des faits ou des propos. Merci beaucoup. Ne m'impitez pas de propos. Maître Richard Pidan, je pose la question. Vos deux confrères ne sont pas d'accord avec vous. La même loi, les mêmes textes, mais pas la même interprétation, pas le même point de vue. Alors prouvez-nous que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Au regard de la loi, vous avez vu en train de lire l'article 76 et 77, 77 qui disait que c'est souligné par ses avocats. Est-ce que vous pouvez nous prouver, au regard de cette loi, ou au regard d'autres arguments que vous avez, bien sûr. Pas vous prouver. Pas prouver à la face du monde, bien sûr. Il faut poser bien la question. Il prouver ne prouve pas, il donne son point de vue. Non, justement, c'est une preuve pour lui, bien sûr. En fait, ce que nous faisons ici, ce sont des positions doctrinales. C'est-à-dire que nos réflexions à nous, nos philosophies à nous, que nous mettons sur la place publique. C'est-à-dire que vous me demandez à moi de donner ma position à moi, voilà, philosophique et doctrinale. Voilà. Tout à fait. Okay. C'est ça la preuve. Bien sûr, sur les prescrits de la loi. Je voudrais d'abord que l'on fasse la part de choses. Ce qui a décelé ici, les avocats de Jean-Marc Kabound ne disent pas qu'il y a eu violation de la procédure. La violation dont ils évoquent ici, c'est par rapport à la détention. Ils disent que Jean-Marc Kabound ne devait pas être détenu au CPRK. Raison pour laquelle j'ai dit, à ces niveaux-là, il y a une violation. Pourquoi? Tout simplement parce que, compte tenu de sa qualité de député, il jouit d'une exception. Laquelle exception? Il doit être placé en, plutôt en résidence surveillée. Pas en, mandat d'arrêt provisoire ou... Non, ne vous trompez. Lorsqu'il y a mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire que le magistrat ordonne la détention préventive. La mise en résidence surveillée, c'est aussi une détention préventive. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais la forme change selon que l'on est un justiciable ordinaire ou que l'on est un justiciable qui jouit des privilèges des juridictions. Le problème, c'est à ces niveaux. C'est assez technique. Hein? C'est-à-dire que nous parlons tous de la détention préventive. Est-ce que Jean-Marc Kabound doit être placé au CPRK, à la maison d'arrêt? Non. Il devait, en principe, être, compte tenu de son statut de député. Je vous ai évoqué un cas, Moukonkolé, en 2009. Il a été placé, d'abord on a commencé par le placer au CPRK. Les députés sont sortis dans la rue, plutôt ils ont fait beaucoup de pression et on l'a éventuellement ramené là où il devait en principe être, c'est-à-dire où en résidence surveillée. Et ça n'a pas été, quand on dit résidence surveillée, ce n'est pas le véhicule peut être aussi considéré comme une résidence surveillée. C'est du fait... C'est du fait qu'il soit député national, cette exception-là. Tout à fait, exactement. Ouais. Il n'y a pas que lui, il y a aussi des ministres. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le président de la République et consorts. Donc, c'est-à-dire que c'est un statut, je parle du statut qui reste, c'est-à-dire, comment dire, détenu, ok? Mais il est placé en détention préventive, plutôt en résidence surveillée, au lieu d'être placé en détention préventive à la maison d'arrêt. La différence est à ce niveau-là. C'est-à-dire, on est détenu, ok? On est détenu par le fait de la loi, sous mandat d'arrêt, c'est-à-dire que le mandat d'arrêt a été pris à votre égard. Mais puisque vous avez un statut qui est particulier, qui n'est pas celui d'un citoyen ordinaire, on ne vous place pas à la maison d'arrêt, mais on vous place soit chez vous, où le parquet décide, puisque la loi n'a pas encore défini le contour de la détention. Est-ce qu'il faut obligatoirement vous placer chez vous à la maison, ou que l'on doit vous placer quelque part d'autre sous la surveillance? On peut refuser de le placer chez lui à la maison, compte tenu du fait qu'en allant les chercher pour répondre, ces militants peuvent obstruer à la justice. Donc, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui doivent être à l'appréciation. C'est-à-dire que la matière, elle est technique.
Puisque lorsqu'on dit, par exemple, j'ai entendu le confrère tantôt parler, il est arrêté, il est ainsi de suite, tout ça, vous savez que vous n'êtes sans ignorer que c'est au juge de prononcer l'arrestation. La détention. L'arrestation. La détention. Pardon? La détention. Non, la détention. Vous dites la détention, c'est-à-dire on vous détient. L'arrestation, c'est la privation complète de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une sentence qui a été prononcée par le juge. Mais alors, je peux prouver quelqu'un de la liberté? Non, seul le juge a ce privilège-là. Le juge condamne, ok? Il leur donne même l'arrestation. Si vous êtes arrêté, pourquoi le juge devrait encore donner une arrestation? C'est-à-dire que c'est assez technique pour arriver à comprendre. Je vous ai dit une chose. Lorsque vous êtes... L'instruction commence d'où? Ça peut commencer auprès de l'OPJ. OK? De l'OPJ, il défère le dossier. Vous êtes en détention, vous êtes dans la procédure pré-juridictionnelle. C'est-à-dire qu'il commence au niveau du... de l'OPJ. De l'OPJ instruit. Lorsqu'il a ses 48 heures qui sont dépassées, il fait quoi? Il défère le dossier devant le juge. Et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, devant le parquet. Et du parquet, on continue l'instruction. Lorsqu'il a estimé, donc c'est-à-dire que le magistrat estime être suffisamment, voilà pourquoi on dit inculpé, c'est-à-dire qu'il vous impute des faits, ok, il est suffisamment instruit, il prend à son tour, il vous présente comme prévenu. Il y a des préventions qui pèsent sur vous, ok, il vous inculpe, il vous charge, ok, il vous présente devant le juge en tant que tel. Il y a deux possibilités. Là où intervient maintenant, le fait est que lorsque le juge n'est pas suffisamment convaincu des faits, ok, il ne vous a pas, le magistrat plutôt, j'allais dire, qui ne vous a pas suffisamment chargé, il recourt devant la chambre de conseil. Lorsqu'il est devant la chambre de conseil, on n'est pas dans la phase juridictionnelle, on est toujours dans la chambre préjuridictionnelle. Pourquoi? Parce que ce dernier va solliciter le rallongement, la prolongation du délai qui lui avait été imputé ou reconnu par la loi, okay, pour éventuellement continuer l'instruction. Donc nous devons faire la part des choses. Et dans les cas présents, je le dis et j'insiste pour dire que il y a eu irrégularité. Pourquoi? Parce que les avocats qui n'ont pas tort de le dire, okay, ils disent qu'il a été placé, il continue d'être en détention préventive au CPRK. La détention préventive de Jean-Marc Aboud devait avoir lieu soit chez lui à la maison, soit à un autre endroit désigné par le parquet. Pourquoi? Parce que le parquet doit estimer les mettre aussi en sécurité, parce que le parquet est en droit de les sécuriser, parce que le parquet ne doit pas aussi créer des prédispositions qui pouvaient entraver la justice. Je voudrais revenir un peu en arrière parce que vous avez dit tout à l'heure ici. Et donc, le fait qu'il soit toujours en détenu malgré l'ordonnance de la Cour de cassation? Non. Vous donnez là l'impression qu'on a refusé d'ordonner, plutôt d'exécuter l'ordonnance de la Cour. Non. Ne donnez pas cette connotation-là. Il vous a été fait observer ici que l'ordonnance a été prise. Maintenant, il faille aux avocats de faire diligence. C'est-à-dire que samedi, lorsqu'on se retrouve devant la Cour de cassation, c'est une demi-journée. Vous voyez, on ne travaille pas. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'ils doivent faire diligence. C'est-à-dire que ce matin ici, c'est comme le confrère l'a dit, qu'ils sont défaillants. En principe, ils devaient. J'insiste, hein, moi je suis là en tant que politique, hein, donc je ne suis pas en tant qu'avocat, je ne voudrais pas être interpellé par le Conseil de l'ordre. Voilà, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire que parce que je ne peux me permettre de critiquer aussi les avocats, ok? En tant que politique, je peux émettre des critiques pour dire tout simplement que dans ces cas d'espèce, je pense que dès ce matin, il est déjà 10h, 11h, s'ils ne sont pas encore, il n'est pas encore en résidence surveillée, c'est qu'il se pose un problème. Soit ce sont les avocats qui sont défaillants, soit, puisque ça revient encore à l'attitude du ministère public, l'ordonnance est un acte et en force de loi, c'est-à-dire que c'est aussi au ministère public d'exécuter cette loi-là, ok? C'est-à-dire qu'il est encore en train d'apprécier pour voir l'éventualité de trouver une résidence surveillée ou pas du tout. Alors, je voudrais revenir sur un fait de l'article. Écoutez, la loi est claire sur cette question. Encore 30 secondes. 30 secondes, il n'y a pas de souci. La loi est claire sur cette question. La loi dit ceci, que les immunités, ce ne sont pas pour tous les faits. Lorsque vous lisez l'article 107, alinéa premier. Ouais, des cas flagrants, c'est ça? Non, même pas. La loi est claire, on dit les immunités sont pour deux choses. Pour les opinions politiques, ok, les opinions et les votes. Ok. Est-ce que Jean-Marc Aboud, dans son comportement, il était en train de voter? Pas du tout. Est-ce qu'on le poursuit pour avoir voté? Pas du tout. On le poursuit pour avoir réfléchi. Je vais vous prendre un cas pratique. Prenez Sessanga, l'honorable Sessanga. Du haut du tribune, il traite le président de l'Assemblée nationale de voyou.
Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il n'a pas été poursuivi. Parce que c'était au cours d'une opinion politique. Il émettait son avis. Ok, à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, je vais en revenir encore avec un autre cas. Il est couvert des immunités et ses immunités sont absolues et fonctionnelles. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Je vous prends encore un autre cas. Il y a Nawej, l'honorable Nawej, qui a traité, je ne sais pas si on peut encore l'appeler honorable, qui a traité le président de la République d'inconscient. Au cours d'une session, il a traité le président de la République d'inconscient. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi? C'était pour le même fait. C'était tout simplement parce qu'il avait été couvert des immunités. Merci. Et les faits pour lesquels Jean-Marc Aboud est poursuivi ne méritent pas ou que ne donnent pas lieu aux immunités. Merci beaucoup, Maître Mpinda, qui a été beaucoup, un peu plus technique. Voilà, Maître Edmond Bokolo, son point de vue, je vous ai vu noter. Vous partagez son point de vue là où il parle de, justement, la violation de la, violation de la loi au niveau de la détention. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Bon, merci, merci. Je l'ai suivi parce que Maître Richard Mpinda soutient que Kaboul ne devrait pas être détenu au CPRK, donc à la prison centrale de Makala, il devrait... Bon, je pense qu'ici, c'est question de faire la démarcation. Par exemple, vous avez suivi le confrère Edi Kantabilenge, lorsqu'il a dit que, lorsqu'il vous dit que, même lorsqu'il s'agit d'une flagrance, une personne bénéficiaire soit du privilège, soit de l'inviolabilité, comme le cas des membres du gouvernement, ou celui qui est bénéficiaire des immunités, comme le député et le sénateur, peut être poursuivi en cas de flagrance. Mais vous allez me dire que quelqu'un qui est arrêté, par exemple, chez moi en Équateur, en Bandaka, où on arrête un député national en Bandaka, vous allez demander que, sur le champ, l'OPJ ou le ministère public doit les traduire devant la Cour de cassation. Ça veut dire qu'il y a une procédure, il y a toujours une procédure. C'est-à-dire que lorsque le magistrat-instructeur arrête, le magistrat-instructeur doit garder la personne inculpée devant une maison d'arrêt. Devant une maison d'arrêt. Ça veut dire qu'avec la politique gouvernementale, ici par exemple à Kinshasa, lorsqu'on arrête une personne, peut-être après deux jours pour les inculpés ordinaires, on les transfère par exemple devant la prison centrale de Makala. Mais ce qui est contraire par exemple à Lissala, où il y a la prison d'Angenga par exemple, on vous envoie Angenga lorsque vous êtes condamné par exemple. C'est-à-dire que... Même s'il s'agit d'un député national. Non, la prison est... Lisez la loi, l'ordonnance de 65. On n'a pas fait la différence entre député, président ou qui ce soit. On vous arrête, on vous jette soit dans un amigo, dans un géol ou dans une prison. Ce n'est pas simplement... On n'a pas dit que parce que vous êtes député, on doit vous cajoler. La loi n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est une procédure spéciale dans le sens que lorsque le procureur vous arrête parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et que, conformément à l'ordonnance, lisez même l'ordonnance in fine, la première page in fine, vous allez voir que la Cour de cassation autorise la mise en détention préventive. C'est dans ce sens-là que l'article 76, alinéa, troisième intervient. On dit que la détention préventive est remplacée par l'assignation à rien servir. C'est-à-dire que la Cour prononce d'abord la détention préventive et on la remplace avec la résidence surveillée. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on vous dit ici... On, qui la remplace? Non, non, c'est-à-dire que... Non, c'est le juge qui est habilité à pouvoir autoriser la mise en détention. Vous allez voir l'ordonnance, j'ai dit l'ordonnance, on dit la Cour autorise la mise en détention préventive. On risque de nous dire que la Cour n'a pas bien motivé ou n'a pas bien rédigé son ordonnance, ce qui n'est pas correct. C'est-à-dire qu'ici, dire que parce que Kaboul continue à être détenu à Makala, cela constituerait une irrégularité, moi je dis que c'est une fausseté, ce n'est pas correct. C'est en vertu de quelle loi? Parce que la Cour a déjà fait sa part des choses. Et la procédure, on voudrait vous rappeler ici que lorsque on poursuit une personne, depuis la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase décisoire, tant que le juge n'a pas encore prononcé, l'inculpé ou le prévenu continue à être gardé par le ministère public. D'ailleurs, on vous dit ici que c'est le ministère public qui exécute les décisions. Même cette ordonnance, vous savez, c'est lui qui exécute ça. C'est le ministère public, ce n'est pas le juge. Le juge, son travail est de prononcer, est de dire le droit. Je condamne.
Mais la personne qui doit prendre, récupérer la personne condamnée, le maître dans un établissement pénitentiaire, c'est qui? Ce n'est pas le juge, c'est le ministère public. D'ailleurs, la loi de 2013 sur l'organisation judiciaire, il dit... Même le maître sous mandat d'arrêt provisoire, sans parce qu'il n'arrive devant le juge. Oui, ça c'est la procédure, c'est ça la procédure. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Mettre... L'acte par lequel il est placé... Non, non, placé je vous comprends, tout va bien compétent. Non, 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 vous risquez de chipper mes idées. Oh. C'est pas possible. Oui, vous risquez de chipper les idées. Laisse-moi continuer. Le confrère vous dit que il ne s'agit pas... L'arrestation, c'est les juges. L'arrestation, non. C'est pas le ministère public. Non, c'est pas les juges qui arrêtent. Les juges n'arrêtent pas. Il y a des cas où la loi autorise au juge d'ordonner l'arrestation immédiate. Il peut dire que dans son jugement, dans sa décision, que M. Mokolo est condamné avec arrestation immédiate. Et qui arrête? Ce n'est pas le juge. C'est le ministère public qui doit arrêter immédiatement. Exactement. Donc après les procès, on vous arrête par le ministère public et on vous achemine devant l'établissement pénitentiaire. Il parle de l'exécution et non de l'arrestation. C'est lui qui exécute les décisions judiciaires, c'est le ministère public. Ça, c'est le ministère public. C'est la loi. Je pense que le confrère ne pourra me contredire. C'est le rôle du ministère public. Arrêtez. Il est là pour rechercher les infractions, traduire les inculpés devant le juge et exécuter les décisions judiciaires, les ordonnances, ainsi que les jugements et les arrêts. Dans les cas sous examen, le fait que cette ordonnance ne soit pas encore d'application, ce n'est pas de la faute du ministère public qui doit appliquer les décisions de la Cour de cassation. Ici, il s'agit d'une procédure. Lorsque la Cour ordonne, ces questions, maintenant, à l'inculpé. Moi, je ne voulais même pas dire aux avocats, parce que les avocats interviennent par représentation. C'est maintenant la question pour l'inculpé de faire diligence, comme on vous a rappelé tantôt. Il doit faire diligence, c'est-à-dire aller au greffe pénal de la Cour de cassation. Afin que l'ordonnance soit dactylographiée, certifiée, et l'ordonnance doit être notifiée au ministère public. Merci. Et le ministère public va pouvoir extraire la personne qui est mise en rien surveillée. On va l'extraire et le placer où? Là où le ministère public va devoir, là où le gouvernement va mettre en place, par exemple, on peut le mettre en rien surveillée chez lui, à la maison, ou dans un autre lieu. Donc la procédure n'est pas violée à ce niveau de débat. Merci beaucoup, Maître Mokolo. Maître Eddy Katabilinga, je vous propose aussi la question. Le fait qu'il soit député national, est-ce que ça ne lui donne pas certains privilèges dans le traitement de son dossier? Déjà, en l'arrêtant, en la mettant sous mandat d'arrêt provisoire par le ministère public. Est-ce qu'à ce niveau-là, la procédure n'a pas été violée? Monsieur Dan, l'article 12 de notre Constitution dit ce qui suit. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Ça, c'est la Constitution. Quand je me permets d'analyser le point de vue du confrère Richard, je le trouve en droit belge et en droit français. Où ça, c'est intéressant. Le monopole d'arrestation revient au juge. Le juge d'instruction. En droit français, en droit belge, même ici à côté, ici à Brazzaville, ici, c'est la position qu'a le confrère Richard. Seul le juge a le monopole d'arrestation. Par contre, en droit congolais, l'actuel droit, le droit positif, n'épouse pas ce point de vue-là. Oui. Ce point de vue, aujourd'hui, il est courant en politique. D'ailleurs, lui-même vous a dit ici. Il est politique. Hein? Alors, la prépondérance de ses opinions politiques prime sur l'analyse de la loi. Il est pro-pouvoir, mais là, il n'est pas trop... Non, non, il est politique. D'abord, il faut le prendre comme ça, politique. Parce que les politiques lisent la loi de leur façon. Ok. Que les pires juristes, qui ne sont pas politiques, mais ici, le pouvoir d'arrêter, en droit congolais, d'arrêter quelqu'un, revient à l'OPJ et au ministère public. Même s'il s'agit d'un député national. Oui, le pouvoir d'arrêter quelqu'un, lui priver de sa liberté, de mouvement et va-et-vient, revient exclusivement à l'OPJ et au ministère public. Dans le cas sous examen,
prenez besoin de dire que la loi a été violée. Non. Le ministère public en droit congolais, il n'a qu'un seul lieu où, quand il vous arrête, il vous détient. Pas chez vous. Le ministère public ne peut pas vous arrêter, vous, il vous garde chez vous. Non. En droit congolais, le ministère public, quand il vous arrête, il vous met dans une maison d'arrêt. Quand tu es au niveau de l'OPJ, quand il vous arrête, il vous met dans l'amigo, cachot ou quoi là-bas. Mais le ministère public, la loi dit, quand il vous arrête, il vous prive de liberté, il doit vous placer dans la maison d'arrêt. Ça, le confrère ne peut pas me le contredire. Mais seul le juge, comme dit la loi, puisque ici, l'article 76, l'on dit, toutefois, la Cour de cassation est seule, c'est le français, est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive. Donc, quand le ministère public vous arrête, il a une obligation de vous traduire, de vous libérer si les 5 jours expirent ou d'obtenir la mise en détention préventive. Ce qu'il peut pas leur de la part de la Cour. Oui. C'est la loi. Il dit, seule la Cour peut mettre quelqu'un en détention. Seule la Cour. Mais est-ce que le ministère public devient la Cour? C'est ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Le confrère, je suis d'avis avec lui, mais il doit, avec les politiciens qui sont ses copains, revenir pour réviser la loi. Mais la loi actuelle, en droit congolais, seule la Cour de cassation peut vous mettre en détention préventive. Et actuellement, parce que pour l'arrêter, revient au ministère public, il a arrêté Kaboum, député ou pas député, il a demandé ou l'a autorisé de l'arrêter. Il l'a arrêté, il le place où? Le ministère public ne peut pas vous mettre dans une résidence surveillée. Jamais. Ce n'est pas ça le droit. Le ministère public ne peut pas vous mettre dans une résidence surveillée. Jamais. Le juge prononce, c'est le ministère public qui exécute. Seul le juge. La loi dit, la détention préventive est remplacée. C'est la loi qui le dit. La détention. D'abord, on doit vous mettre en détention préventive. Là où le juge, dans l'arrêt là, il dit Kaboum, monsieur, tu es accusé par le ministère public ici. Moi, juge, moi, cour de cassation, je te mets en détention préventive. Cependant, comme tu es député, je remplace la détention en résidence surveillée. Au lieu d'aller en prison, on vous place quelque part. Maintenant, comme Kaboum était déjà détenu par le ministère public. Maître Eddy, je veux juste que nous comprenions de façon un peu plus simple. Quelle différence vous faites entre la mise en détention et le mandat d'arrêt provisoire? Voilà. La détention veut dire, en français, être détenu quelque part. Et arrêter, c'est aussi être placé quelque part. Voilà. En droit, ce concept-là, dont ce concept-là d'arrestation et de détention ne peuvent pas se confondre par rapport au délai. Ok? Ne peuvent pas se confondre par rapport au délai. Ça veut dire la détention préventive a une durée. C'est 15 jours. C'est 15 jours. Okay. Mais elle peut être renouvelée jusqu'à 6 fois. La détention préventive, c'est une durée où les juges autorisent au ministère public qui vous poursuit de faire cette investigation, mais on vous met en détention. Dans une maison d'arrêt. Mais chez nous, malheureusement, on n'a pas de maison d'arrêt. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas de maison d'arrêt. C'est ainsi que vous voyez, quelqu'un, quand il est arrêté, le ministère public le place à Makala. Merci beaucoup. Maintenant, ici. Dit... Pour citer, j'ai dit, l'ordonnance n'a pas régularisé une quelconque violation de la loi. Non, l'ordonnance n'a pas régularisé, non. L'ordonnance
a autorisé la mise en détention. Ça, c'est dit là-bas. D'accord. C'est dit. Donc, merci. Moi, je demande au confrère Richard, comme il est là, Maître Richard. Je vais l'harceler. Parce qu'il côtoie les politiques, qu'on change la loi pour avoir son point de vue. Sinon, aujourd'hui, le point de vue qui est des droits, c'est Maître Edmond et moi. Maître Richard est politique. C'est votre point de vue, cela n'engage que vous. Vous savez, la beauté du droit, c'est dans les exceptions. On peut beau dire tout ce qu'on veut, okay, mais nous restons en droit. Vous avez posé la question de savoir quelle était la différence entre la détention préventive et le mandat d'arrêt. Il aurait dû vous dire que le mandat d'arrêt, c'est l'acte par lequel la détention préventive est exprimée. Okay, c'est l'instrument qui justifie l'existence de la détention préventive. Vous voyez, ici, la détention préventive, c'est une, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, que nous sommes en matière, préjuridictionnelle. Okay? Et les juges s'expriment, ils vous placent en détention préventive, posez-vous la question de savoir quel est l'instrument qu'il utilise. L'acte qu'il prend, c'est un mandat d'arrêt provisoire. Ça, c'est le juge plutôt, de la Cour, le ministère public. Le ministère public, oui. Ça, c'est un lapsus qui est sorti comme ça. Alors, je le dis, j'insiste. Jean-Marc Aboud se retrouvait devant son juge naturel. Mais ici, je l'ai dit tout à l'heure qu'il est inculpé, il est présenté sous ces statuts-là. Lorsqu'il est présenté pour qu'il devienne, qu'il soit mis à la disposition du tribunal, puisque là, maintenant, il a été au parquet, il est mis à la disposition du tribunal, il est à la charge du tribunal. Ok ? Le statut change. Il est devenu prévenu. Maintenant, puisqu'il doit chevaucher de ce statut-là d'inculpé, ok, et qu'il est mis à la disposition du juge, ok, du tribunal, c'est ainsi que le juge ordonne la situation dans laquelle il doit se retrouver. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est maintenant dans une phase juridictionnelle et il est placé en résidence surveillée. J'ai dit compte tenu du fait, il a évoqué l'article 12 ici pour prétendre de l'égalité de tous. Ça, c'est le principe, raison pour laquelle j'ai dit que la nuance vaut son pesant d'or. Les juristes se rencontrent dans les exceptions. Les principes, il est tel quel, mais les exceptions, c'est du point de vue de ceux qui jouissent des privilèges de juridiction. Vous n'allez pas me dire que Jean-Marc Aboud a l'avantage de jouir de double degré de juridiction. Est-ce que cette égalité, si on veut le faire tel quel, on dirait que non, puisque lui, il est entendu en premier et dernier ressort. C'est-à-dire que tel qu'il est là, il n'a plus droit à l'appel, éventuellement aller devant une autre juridiction. Vous voyez, ce n'est plus l'égalité. C'est-à-dire que l'exception, le principe qui est posé ici, c'est l'égalité de tous. N'étant pas un citoyen ordinaire, il ne peut pas être détenu de la même manière et il ne peut pas être poursuivi de la même manière. Même si la loi dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Je vous ai dit tout à l'heure que le principe est posé. Le principe est que, d'ailleurs, lorsqu'on parle de poursuite ici, on parle des immunités. Mais le citoyen ordinaire n'a pas des immunités. Le citoyen ordinaire est poursuivi comme tout le monde. La différence d'avec l'autre, parce qu'il a il a les immunités, c'est ainsi qu'il n'est plus. Il n'est plus de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, le seul fait d'égalité, c'est-à-dire que ce soit un citoyen ordinaire ou celui qui jouit des privilèges de juridiction, tous deux vont devant un juge. Mais en y allant, est-ce que nous y allons tous de la même manière? Non, pas du tout. Il y a des préalables. Prenons le cas de Jean-Marc Aboud. Prenons tout simplement le cas de Jean-Marc Aboud. C'est-à-dire qu'il faille, premièrement, même en cas de flagrance, obtenir préalablement l'autorisation des poursuites. Mais vous n'avez pas besoin de... Mais oui, la mise... La flagrance. Même en cas de flagrance, on lisait l'article. Non. Il est où la linéaire? La constitution est où? L'article 107. La linéaire 2. Oui. En cas de flagrance, autorisation, non mais ça. On dit... Il reste quand même un député national. Non, on dit ça. C'est un nom. Voilà. Il est dit ce qui suit. Aucun parlementaire ne peut, ça c'est la linéa 2, l'article 107, la linéa 2 déjà, je prends. Aucun parlementaire ne peut, en cours des sessions, être poursuivi, arrêté, sauf en cas de flagrance, qu'à l'autorisation. C'est le français, ce n'est pas moi qui invente. Oh, s'il vous plaît.
aucun parlementaire ne peut aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrance qu'avec, ce n'est pas moi qui l'ai dit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est le français. Mais c'est ça. En dehors de ça, c'est une mauvaise interprétation. Non. Là même, un sociologue. Je suis dans mon temps de parole. Oui, les sociologues peuvent faire ça. Même un sociologue. Non, ça, c'est une interprétation. Je n'ai pas inventé ces français. Je dis qu'il y a autorisation. Il faut que tu dises. Je n'ai rien inventé. S'il vous plaît, je suis encore dans mon temps de parole. Oui, non, non. Je suis encore dans mon temps de parole. Juste, vous avez. Je n'ai pas écrit, s'il vous plaît. Écrivez, notez, vous allez m'interpeller. C'est bon, c'est bon. On va interpeller. Vous aurez votre droit, votre temps de parole. Je n'ai pas inventé ces dispositions. De la Constitution. La Constitution est claire, je reviens encore là-dessus. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance, la phrase à flagrant délit, virgule, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je n'ai pas inventé cette disposition, elle est telle qu'elle. On dit qu'avec. C'est-à-dire qu'en matière de flagrance, on ne vous lève pas les immunités, en lieu et place des immunités, ce sont les autorisations préalables. Le cas de Kabound a été. Un cas de flagrance et éventuellement on a recouru pour éventuellement obtenir l'autorisation de poursuite. Il s'agit d'un cas de la mise en accusation. C'est votre droit le plus légitime. Vous faites ce que vous voulez donc. C'est votre droit le plus légitime. Alors, une minute pour chuter. Okay. Une minute pour chuter. Ah, une minute pour chuter. Donc j'étais en train de dire que l'égalité, c'est le principe qui a été posé. L'égalité de tous. Et vous allez vous rendre compte que les exceptions, les différentes exceptions dont nous évoquons tout à l'heure ici, ce sont les exceptions qui existent par le fait de la loi. Ce n'est pas une invention de Maître Mpinda Richard où on voudrait l'imputer le fait d'être politique. Je suis politique, je l'assume. Et ici, vous savez lorsqu'on est, on est doté d'une certaine probité comme nous l'avons ici, lorsque ça va, nous acclamons, nous encourageons. Lorsque ça ne va pas, nous condamnons s'il faille le condamner. C'est-à-dire que ici, j'estime que Jean-Marc Kabound devait être placé en résidence surveillée, n'ayant pas été fait tel quel, les avocats ayant soulevé tel quel, je pense que la Cour est venue tout simplement régulariser ce qui avait été visé. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Ça, c'est votre dernier tour de parole sur cette question. Je pense qu'on va, après le dernier tour de parole, le table, je pense que nous allons prendre maintenant le deuxième sujet. Maître Edmond Bokolo, rapidement, pour quelques minutes seulement, nous allons en pour combien de temps? 3 minutes. Merci. Bon, je voudrais commencer par la position de confrère Richard Mpinda. Il nous a fait la lecture de l'article 107. Je renvoie aussi à l'article 73 de la loi de 2013 qui organise la procédure devant la Cour de cassation. Il a prévu la même chose, même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de mars 2019. Le confrère a fait une lecture biaisée. Biaisé, tronqué, ça c'est pas une lecture, ça c'est une très mauvaise interprétation et de telles interprétations ça constitue un danger public. Comment ça? Écoutez. Expliquez-nous. Aucun parlementaire, je vous lis conformément à l'esprit même du législateur. Écoutez. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit. Voici, c'est ça la bonne interprétation. Et moi, je ne voudrais pas. Non, ça c'est une question. Monsieur le journaliste, c'est une question basique et c'est une question liminaire. Attendez, je vais lire. Non, laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord. Il a lu. Non, vous risquez de. Vous l'avez lu selon votre entendement et vous pensez que nous biaisons. Non, ça c'est des notoriétés publiques. Oh là là. Je vous dis même, c'est lui qui a fait l'ISTA. Même celui qui a fait la maçonnerie, celui qui a été à l'UNPP, c'est que les personnes qui jugent des immunités de poursuite, les personnes qui jugent de l'inviolabilité, lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrant délit, on n'a pas besoin d'une autorisation. Mais la Constitution... La Constitution ne le dit pas, les confrères avaient une mauvaise interprétation. Non, j'ai lu la Constitution. Allez-y, c'est un problème d'interprétation. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
Voilà, voilà. Laisse-moi terminer. Ça non, veut dire on que... Dit. Oui, confrère. J'ai inventé pour dire non, non, vous avez inventé. Qu'avec l'autre... Non, écoutez. Non, non, ça veut dire quoi? Vous savez, nous avions appris, il y a eu des enseignements d'argumentation juridique. Et c'est dans cet enseignement on nous montre comment interpréter et s'argumenter lorsqu'il s'agit des questions de droit. Et ici, le principe qui est posé pour les personnes qui jouissent des immunités, c'est-à-dire qu'on doit arrêter un député ou un sénateur ou celui qui jouit de l'inviolabilité, les membres du gouvernement national ou au niveau de la province, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le principe. Mais maintenant, quelle est l'exception? Mais il est dans le mauvais... Non, non, mais quelle est l'exception? L'exception est que... L'exception est que... Il a prétendu qu'un étudiant de l'ISTA... Non, non. ...des sciences infirmières, mais je pensais qu'on m'imputait qu'un étudiant ferait mieux que moi. Je me rends compte que... Non, non, confrère, écoutez. Ça veut dire que... C'est pas dans votre langue maternelle, cher confrère. Non, non, écoutez. C'est pas dans votre langue maternelle. Non, non, écoutez, confrère. C'est écrit en français. Il est de notoriété. Il est de notoriété publique que... Il est si simple que ça. Non, non, laisse-moi d'abord terminer mon argumentaire. Non, non, mais non, non, mais c'est ça le droit. Tout celui qui a pris les droits sait que un député, lorsqu'il s'agit de flagrant délit... Non, non, laisse-moi d'abord terminer. Vous êtes en train de m'étouffer pour rien. Oui, je voudrais vous dire ceci. Tout celui qui nous suit, que ce soit ici ou à l'extérieur, sait que lorsqu'il s'agit de la flagrance, c'est même le cas des avocats par exemple. Pour que m'arrêter, vous avez l'obligation d'obtenir l'autorisation du PG. Mais lorsqu'on trouve Maître Mbokol en train par exemple d'insulter, on n'a pas besoin de l'autorisation. Ça veut dire que le flagrant délit est une exception qui supprime les immunités. Très bien. Maître Di, votre interprétation de cette disposition constitutionnelle. Je crois que... Confrère Charles. Je crois qu'avec le confrère Charles... Et, confrère Edmond, avant de mettre le point de vue là-dessus, nous devons nous remémorer de la grammaire. En quoi faisant, la ponctuation a son sens dans l'article là. La ponctuation a son sens. Il est ainsi dit, d'abord en droit, ce que les principes, ce que tout le monde peut être interpellé, tout à fait, peut être arrêté. Ça, c'est le principe. L'exception pour le cas des députés, la Constitution tranche en disant aucun parlementaire, qu'il soit de la chambre haute ou basse, ne peut être, virgule, la ponctuation. Aucun parlementaire ne peut être, virgule, pour donner le sens, en cours de session, virgule, être poursuivi ou arrêté, virgule, sauf en cas de flagrant délit, virgule, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, virgule, selon les cas. Qu'est-ce que ça dit? Aucun parlementaire, quand on saute en cours de session, on dit, ne peut être arrêté. Aucun ne peut être arrêté ou poursuivi qu'avec l'autorisation. C'est ça ce que ça veut dire. Ne peut être arrêté ou poursuivi qu'avec l'autorisation. C'est ça le contenu. Maintenant, quand on met des virgules pour donner le sens à ceci, l'on vous dit, en cours de session, ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation de sa chambre. Maintenant, l'on donne encore une autre exception. Sauf en cas de flagrant délit, il n'y a pas d'autorisation. Oh là là. C'est ça le contenu de l'article 107 de la Constitution. Merci beaucoup. Qui est ici fidèlement reproduit
à l'article 73. Merci beaucoup. Même dans le règlement. Merci même beaucoup. Donc, c'est... Merci, maître Aiguille. Même quand nous parlons dans les annales... On a compris votre point. Parlementaire, nous trouvons... On va lancer le deuxième sujet rapidement avec cette note informative de la rédaction. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, vient de boucler à l'étape du Rwanda sa mission officielle en Afrique. Le diplomate américain appelé Kinshasa et Kigali a cessé tout soutien aux groupes armés. Il a exprimé ses vives inquiétudes sur le conflit qui oppose la RDC au Rwanda au sujet de la guerre que mène le M23 dans l'est de la RDC. Pourtant, le rapport des experts onusiens confirme le soutien rwandais au M23 dans le seul but de déstabiliser l'est du pays. Du côté des activistes des droits humains, la République démocratique du Congo devra cesser de compter sur l'intervention de la communauté internationale pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Il devra s'assumer car la diplomatie américaine est dilatoire. Maître Richard Pinda, je commence avec vous ce deuxième sujet. Il nous reste 13 minutes pour clôturer cette émission. Encore 13 minutes, simplement, pour clôturer. Encore lui. Ah oui, c'est son tour de parole. Ça ne devait pas être moi. C'est son tour de parole. Le premier sujet, on a commencé par... Alors, j'en prends... Je reviens vite fait. Hein, je prends quelques... 30 secondes. 30 secondes. Je n'ai même pas posé ma question. Allez-y, allez-y. Vous encore sous le même principe. Je n'ai même pas posé ma question. La session, non, on risque aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau national ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ok, des poursuites autorisées et des condamnations. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que nous sommes dans cette hypothèse où le principe, c'est que lorsqu'on doit interpeller une personne, lorsqu'on veut mettre la main, sur une personne qui venait de commettre une infraction réputée flagrante, okay, pour ordonner maintenant, puisqu'on interpelle dans un premier temps, okay, on vous écoute. Maintenant, pour ordonner l'arrestation ou la mise en détention préventive, il faille nécessairement recourir au Parlement dans le cas des députés et consorts. Je voudrais revenir sur ce que... Moi, personnellement, lorsque j'ai entendu dire que Blinken arrivait ici, je ne m'attendais à rien du tout. Je l'ai dit et je n'ai cessé de le dire. Tout simplement parce que, vous savez, lorsque Blinken arrive, j'ai vu, il se retrouvait avec les activistes de droits de l'homme, à un moment donné, où on a dit, ben, écoutez, depuis qu'il est arrivé ici, eh ben, qu'en République démocratique du Congo, nous avons, depuis qu'il serait au pouvoir, nous avons une trentaine d'arrestations et ainsi de suite. Ça, c'est comme si dans un état de droit, on ne pouvait pas arrêter. Lorsque j'ai dit que je n'attendais rien du tout, okay, de lui, tout simplement parce que lorsque j'essaie de voir l'ampleur qu'on a voulu donner à Blinken, c'est comme si c'était un modèle où son pays était un modèle du respect des droits de l'homme, ok? Ou que son pays était un modèle... Les États-Unis n'est pas un modèle non, pas du tout. Respect des droits de l'homme. Pas du tout. En 2021, les États-Unis d'Amérique, ça c'est Washington Post qui dit, les États-Unis d'Amérique ont, la police a tué plus de 700 personnes. La police fédérale a tué plus de 700 personnes. Et Washington... Des bavures policières, il y en a presque partout. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a eu des bavures policières. Et il y a eu des arrestations arbitraires. D'ailleurs, pour que l'on prétende qu'ils sont des modèles de droits de l'homme, ils ont à un moment donné contourné les droits de l'homme pour éventuellement aller organiser une prison à Guantanamo Bay où ils pouvaient violer paisiblement. Ils cherchent les États où les violations de droits de l'homme... en fait, le droit de l'homme, ou que ces pays-là n'ont pas ratifié les statuts de Rome ou la Déclaration universelle des droits de l'homme pour éventuellement faire quoi? Perpétrer ces actes-là. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ne sont pas un modèle du respect des droits de l'homme. Prenons la France. Mettre la pression sous le Rwanda, par exemple, d'arrêter de soutenir... Non, je veux en venir, je veux en venir. Je l'ai toujours dit. Lorsque vous dites mettre la pression sur le... Quel est l'intérêt des Américains? Blinken n'est pas venu ici pour le nègre que nous sommes. Blinken est venu ici pour garantir leurs intérêts. Ils se disent qu'à l'allure où vont les choses, nous pourrions éventuellement le pouvoir en place, peut aller vers la Russie. C'est ça la raison d'être de Blinken. Les restes, ce n'est pas son problème. Il veut s'assurer que, monsieur le président de la République, est-ce que vous continuez encore d'être avec nous? Si vous ne l'êtes pas, écoutez, on organise votre assassinat. On l'a vu avec Lumumba. C'est très fort, ça. Je le dis. Assassinat. On l'a vu avec Lumumba. On l'a vu avec Mouzé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un héros député qui l'a dit. Comment dire à l'Assemblée européenne. Si un président n'est pas en harmonie avec les États-Unis, il sera assassiné. Vous pensez que le président de la Guinée, Conakry, je crois, là où est Alpha Condé, a quitté le pouvoir parce que le peuple ne voulait pas de lui? Non, pas du tout. Il a quitté le pouvoir tout simplement parce qu'il commençait à s'orienter vers la Chine et consorts. C'est ainsi qu'on a organisé ces coups d'État.
Et lorsqu'on organise le coup d'État, le tout premier acte, le pouvoir qu'il a remplacé, a pris, c'était quoi? C'était d'abord d'organiser la liberté des trafics de minerais vers tout ce qui exploite. La République démocratique du Congo, Binkani vient pour s'assurer que nous pouvons éventuellement continuer à être avec eux. Je vais vous prendre une illustration. Lorsque le président Tshisekedi, l'ambassadeur plutôt russe, sollicite d'aller rencontrer le président de la République. C'est le conseiller du président de la République qui le reçoit. Mais pourquoi il n'est pas reçu par le président de la République lui-même? Tout simplement parce qu'on ne veut pas à un moment donné avoir de problème avec cela. Moi, je pense que ces choses-là doivent arrêter à un moment donné. C'est-à-dire que nous devons nous dire, nous assumer en tant que tel, nous assumer en tant que peuple pour nous dire que non, niette, les Américains ne sont pas des bons partenaires. Les Américains ne nous accompagnent pas. J'ai toujours posé cette question-là. Les gens ont toujours tendance à me coller tout ce qu'ils veulent. Je chute par là. Quelle est la toilette publique qui a été construit par nos partenaires privilégiés, les Américains, ici, depuis que le président Tshisekedi est accédé au pouvoir? Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi seulement la toilette publique. Vous savez qu'une toilette publique, on peut engager une personne qui perçoit un peu de sous et éventuellement il est rémunéré en fonction de ça. Les Américains n'entendent pas, c'est comme quelqu'un l'a dit, les Américains comme les Occidentaux, eux, ce sont nos richesses qui les intéressent, ce sont nos richesses qui les intéressent et non pas, ils ont besoin de l'Afrique, pas des habitants africains. Donc, allez-y comprendre par là. Je n'ai rien entendu. Ici, je souhaite, je continue de marteler et de persister pour que nous puissions continuer avec cette pression dans la rue, demander que la MONUSCO retourne d'où il vient et éventuellement continuer à s'assumer en tant que peuple. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Maître Edmond Bokolo, votre point de vue sur cette question, pendant que les Nations Unies font un rapport pour dire que voilà, c'est le Rwanda soutient les groupes armés, notamment le M23, Blinken était attendu par les Congolais pour qu'il puisse aussi mettre la pression sur le Rwanda, aussi mettre le M23 comme un groupe terroriste sur la liste noire des Américains. Il portait la question de l'agression rwandaise au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais son discours a été très décevant, pour vous aussi. Merci. Moi, je pense que, je l'ai dit, je pense que la visite de M. Anthony Blinken, en fait, pour moi, c'est une visite, c'est un tourisme. Hein. Pour moi, je ne vois rien de la diplomatie qui peut. On parle du patron des affaires étrangères de la. Non, non, des États-Unis d'Amérique. Non, c'est pas un problème. Puissance militaire américaine. Oh, non, c'est entre. Ne démontrez pas votre envie entre les États-Unis et le Rwanda. Nous, ça n'en est pas. Voilà, pour moi. Ouais, donc, pour moi, je pense que c'est une visite qui a pour mission. La raison légitime, c'est la mission. L'objet de la mission, c'est justement pour protéger les intérêts. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays qui a toujours convoité les richesses, la potentialité que Dieu nous a donnée. Et lorsque vous voyez que. Vous constatez qu'il y a d'abord l'état de siège décrété à l'Est. Et cet état de siège a créé des problèmes. Il y a des démangeaisons qui dérangent maintenant les grandes puissances entre les États-Unis. Maintenant, pour faire ça, il fallait venir essayer de cajoler le président. Vous savez, moi personnellement, j'ai surtout soutenu le président de la République. Et lorsque je vois une action qui tend à mettre en dérive les pouvoirs du président, en tout cas, j'ai mis oppose farouchement. Vous savez, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, c'est un membre permanent qui a le droit de veto. Et lorsqu'il s'agit d'une question d'achat d'armes, par exemple, vous aviez suivi que les États-Unis étaient même le premier pays qui a voté pour le maintien de cet embargo. Sachez bien que la RDC est attaquée par le Rwanda. Donc, allez-y comprendre. Donc, aujourd'hui, le lobbying que M. Blinken va faire aujourd'hui face à la guerre qui se vit à l'Est, c'est quel genre de lobbying? Vous savez, moi, je l'ai dit toujours, les États-Unis ne constituent pas une organisation internationale. Vous savez, l'ONU, qui est une organisation mondiale, dénonce que le Rwanda est derrière le 1-23, mais les États-Unis viennent nous cajoler. Les États-Unis viennent nous tromper, nous draguer dans le sens de pouvoir arracher quelque chose. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. En matière de droits humains, moi je l'ai dit, heureusement que le confrère Richard vient de me dévancer. Mais aux États-Unis, nous avons nos frères congolais. Nous avons des frères congolais qui ont été attaqués, qui ont été tués aux États-Unis. La disparité entre le soutien américain pour la guerre en Ukraine
et le désintéressement total pour le cas congolais peut s'expliquer. Non, c'est ce qui... Ceci voudrait simplement nous interpeller, nous les Congolais, d'ouvrir les yeux, d'avoir les yeux broqués sur les États-Unis. D'ailleurs, il s'est dit dans le couloir que parmi les soutiens du Rwanda, il y a les États-Unis. Ça s'est dit partout, c'est connu. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, si nous attendons que les États-Unis puissent mettre fin à cette histoire qui se vit à l'Est, moi, j'ai dit que c'est un cauchemar. C'est un rêve qui ne sera jamais se matérialisé. Est-ce qu'ils craignent que les Congolais puissent se tourner vers les d'autres partenaires de l'Est, notamment la Russie, peut-être aussi la Chine? Est-ce qu'ils craignent cela aussi? Non, mais c'est ce que nous conseillons au chef de l'État. Si le chef de l'État constate que les États-Unis ne parviennent pas à pouvoir nous rassurer cette sécurité, peut-être que les États-Unis l'aient fait avec le Rwanda, je pense qu'il est question de pouvoir chercher d'autres partenaires. C'est comme dans une fiançaille. Lorsque vous constatez que la fiancée, ça ne marche pas, la loi vous autorise de pouvoir chercher encore une autre ou un autre fiancé. Bon, pour vous dire que moi, j'interpelle le chef de l'État à ne pas prêter l'oreille au propos de M. Anthony, le secrétaire d'État américain. Il ne reste 4 minutes pour qu'il émission. Je sais que le confrère va être élégant pour me le permettre. 5 jours avant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'Africom était au Rwanda pour conclure un partenariat militaire. Posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est toujours ça. C'est-à-dire que une telle délégation peut précéder pour éventuellement accomplir tout ce qu'ils peuvent accomplir comme ça le besoin. Et aujourd'hui, vous avez vu à un moment donné la France menacer, plutôt le Rwanda menacer la France. Parce que Kagame a été prudent et malin. Il détient beaucoup des secrets sur l'instabilité à l'est de la République, impliquant et la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous le menacez, l'homme blanc a toujours peur que l'opinion se soulève. Aujourd'hui, par exemple, prenons le brassage, mixage, l'instabilité, la déstabilisation de l'Est de la République. Mais qui en sont les privilégiés conseillers? Les conseillers venus de qui? Mais ce sont ces mêmes Américains. Mieux encore. D'accord, vu lequel le temps... Ils nous ont... Excusez-moi, je voudrais chuter pour dire ceci. Ils nous ont rassurés de nous financer le problème des DRC. OK? Mais pourquoi le financement n'arrive toujours pas? Aujourd'hui, par exemple, posez-vous la question de savoir, il y a eu à Boutembo une évasion qui a occasionné la fuite de 800 personnes. 800 détenus. OK? Mais c'est à côté de la MONUSCO. La MONUSCO est à Boutembo juste à côté. Ils sont bien renseignés et bien fournis. C'est-à-dire que la déstabilisation de l'Est de la République est leur affaire. Les Onisiens que vous rencontrez, que nous rencontrons, ils vous disent « No guerre, no business ». C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire les affaires. D'accord. Allez-y comprendre. Merci beaucoup. Maître Eddy, pour terminer, la question de la visite d'Antonio. Maître, je vous remets votre constitution pour que vous ne m'impitez pas à être parti avec le vôtre et solliciter à ce qu'on leur ordonne la détention préventive à mon sujet. Non. Je ne le ferai pas. C'était vrai. Votre point de vue de cette question? Oui. Tu sais, en français, facile. Il y a une expression qui a toujours été d'usage et vulgaire, ceci explique cela. C'est ça votre question. Ces touristes américains là, est-ce qu'il peut nous regarder, nous Congolais, en face et nous dire, nous Congolais, que nous finançons ou nous armons les FDLR contre Kagame? Ces touristes-là. Il ne l'a pas fait ici. C'est un monsieur qui est venu en tourisme. Les opposants du régime actuel ont spéculé. Inutilement. Il a dit, il va faire ceci, ceci. Il va faire quoi? Maintenant que ce monsieur a donné la position des Américains sur la question de l'Est, ils peuvent aujourd'hui, ces opposants-là, et leur touriste-là en chef, nous dire que nous, Congolais, nous sommes moins sérieux en voulant nous prendre en charge avec l'actuel chef de l'État. Pas question. Ici, c'est l'occasion de dire au chef de l'État d'écouter la voix du peuple.
lui-même le chef de l'État, dans son discours phare de 6 minutes, il a dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Aujourd'hui, il est interpellé d'écouter les peuples qui ne veulent pas des touristes qui viennent ici nous distraire. C'est pour nous flatter inutilement. Parce que, je vais te dire autrement, le Congo est le pays le plus riche de la Terre. Une minute, maître. Le Congo, nous ne pouvons pas envier les Américains. Même pas du tout. Nous avons tout chez nous, tout, alors tout. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin à cause de notre Iranium, nous Congolais. Deuxième Guerre mondiale. On a mis fin à ça, parce que c'était les Américains et les Russes. On a mis fin à ça à cause de notre Iranium. Donc, nous sommes un pays solution. Nous devons ici dire au chef de l'État de nous donner la chance de faire la politique autrement qu'avec ces aventuriers-là, vous appelez touristes, Tony Blanquer ou quoi, là. Des aventuriers. Merci beaucoup, maître. Qui ne sont même pas un modèle, dit. Kata Bilenga, merci beaucoup, maître Richard Pinda. Merci beaucoup, maître Edmond Bokolo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé ce numéro de Grande Tribune qui commence la semaine. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.